Je vais l'aborder prudemment parce que c'est un rallye qui est long et qui est piégeux, cassant, donc pas du tout la même physionomie qu'il y a 15 jours où c'était une ronde. Donc là, un rallye plus long, on va essayer d'être un peu prudent au début pour quand même découvrir le terrain, les spéciales et puis augmenter de rythme petit à petit. Oui, donc on a fait 3 passages de reconnaissance mardi. Avec du travail à la vidéo derrière. Maintenant, j'ai quand même pas mal de mal à retenir les spéciales qui sont plus longues par rapport au Norbaster. Donc, vraiment, je roule à la note et voilà, on va découvrir ça à partir de demain. Ben, écoutez, déjà, ce rallye des grands fonds, c'est un rallye qui est un mythique rallye très long. Donc, déjà, il faudra le prendre avec beaucoup de prudence et attaquer au bon moment. C'est un rallye sur 2 jours, c'est une gestion qui est un peu différente des autres rallyes à la journée ou à l'après-midi. Donc c'est vrai que Grand Fond reste Grand Fond, on connaît comment ça se passe généralement au Grand Fond. Donc il faut être à l'arrivée à Sainte-Anne, dimanche à midi. Donc il faudra de toutes les manières rouler le samedi après-midi, essayer de faire les meilleurs temps possibles et essayer de rentrer au parc le samedi soir avec une place confortable, je dirais. Tout à fait, on a eu droit à 3-4 jours de reconnaissance. Donc tout ceci s'est très bien passé. Les spéciales n'ont pas changé, elles sont comme l'année dernière. Les routes sont pareilles, elles n'ont pas changé. Donc il fallait juste reprendre son carnet et puis faire une petite révision avant contrôle, on dira. Ah ben c'est un super rallye, écoute, c'est un rallye un petit peu particulier. C'est le premier rallye des Grands Fonds où Pierre Mathurin ne sera pas là. On avait l'habitude de voir sur ce rallye, c'est lui qui l'a créé. Et donc, je ne pensais pas courir cette année, mais bon, pour ce rallye-là, il fallait absolument qu'on soit là avec Ludovic pour lui rendre un petit hommage et pour qu'il y ait du monde sur ce rallye, quoi. Ah, super beau rallye. Bon, il faut savoir que les Grands Fonds, bon, ben, c'est déjà un rallye cette année qui a été sous le nom de Pierre Mathurin, le fondateur du rallye des Grands Fonds, un homme qui était très apprécié du sport automobile et qui a toujours voulu voir de belles choses et organiser de belles choses. Donc on lui dédie, Thierry et moi et toute notre équipe, le VIP Racing, cette victoire au Grand Fonds 2018.
C'est un rallye qui est quand même très difficile. On le voit chaque année à l'arrivée, nous ne sommes pas très nombreux. Innovation cette année, il y a eu le Super Rallye. Super Rallye, c'est quoi? Ben, c'est tous ceux qui n'ont pas eu la chance de terminer une spéciale ou une étape. On le doit de repartir en spécial pour être à la fin, à l'arrivée, être sur l'esplanade de Sainte-Anne. Cette belle ville de Sainte-Anne qui nous reçoit chaque année et qui nous permet de s'exprimer dans le sport qu'on aime, l'automobile, le sport mécanique. Alors, en travers, c'est pas beau parce qu'en travers, on perd du temps. Ça, c'est clair. Donc, on a roulé quand même proprement et rapidement. Alors, certains endroits, on a dû glisser, faire un peu de spectacle parce qu'il y avait beaucoup de public. Mais c'est vrai qu'on ne gagne pas de temps en glissant et en faisant du beau spectacle. Maintenant, bon, on reste quand même des amateurs, on reste quand même des pilotes du dimanche, du week-end, on dira, oui, parce que c'était un long week-end. Et c'est vrai que bon, on s'est bien amusé, on a régalé le public, je pense, avec les autres concurrents aussi qui sont à l'arrivée, et malheureusement pour ceux qui ne sont pas non plus, et qui ont quand même fait un beau travail entre samedi et dimanche. Ben, quand on s'engage sur un rallye, on y va pour gagner. Dès qu'on gagne, on ne peut pas ne pas être satisfait. Alors par contre, moi je voudrais quand même faire un grand coup de chapeau à Stéphane et à Badel, parce qu'ils nous ont quand même obligés à rouler, à nous sortir les tripes. Donc bon, c'est dommage pour eux, pour diverses raisons, ils n'ont pas pu finir. Mais ils nous ont quand même obligés à rouler. Donc, ils nous ont motivés. Ils nous ont motivés. Et puis un grand courage à tous ceux qui n'ont pas pu finir ou qui ont fini un super rallye. Parce qu'il n'y a pas que les vainqueurs. Il y a tous ceux qui ont participé, parce qu'il faut tout le monde pour faire la course. Que ce soit l'organisation, les concurrents, les grosses voitures, les petites voitures, les bénévoles, les pros, les partenaires. Donc, il faut passer à tous ceux qui ont contribué à cette grande fête du sport automobile pour le week-end. Bah écoutez, on est parti sur un bon rythme et puis on a gardé un peu le même rythme tout au long du rallye. Et c'est une stratégie qui a payé puisqu'aujourd'hui on rentre deuxième à Sainte-Anne. Donc voilà, très très satisfait. C'est vrai que le pilotage était spectaculaire, c'est vrai. Mais il s'agissait d'avoir un rythme qui nous permettait de faire des bons chronos tout en étant à l'arrivée. Parce qu'un rallye des grands fonds, on est bien placé, mais une fois qu'on est à l'arrivée. Donc c'est vrai que d'ailleurs le plateau le prouve, si on n'est pas à l'arrivée, ben on ne peut pas bien figurer. Donc ça pouvait paraître être de travers, mais en tout cas c'était bien réfléchi. Et puis on a attaqué, on s'est fait plaisir surtout. Je crois que le maître mot dans la voiture, c'était le plaisir. Ben, je pense que c'est la tactique qu'on a mise en place, c'était l'attaque, pas à outrance, mais l'attaque pour rester au contact. Et voilà, quand on attaque, et ben on freine un peu plus tard, des fois ça glisse un peu et à nous de faire le nécessaire pour que ça reste sur la route et pour être à l'arrivée. Non, au départ du rallye, l'année dernière, on était à la bataille à chaque rallye avec les C2. Aujourd'hui, on se retrouvait seul C2, donc on est parti pour rouler. Et voilà, et au fur et à mesure, et ben on a quoi, on a trouvé concurrent devant et puis on essaie d'aller chercher quoi. Bon, c'est l'équipage Pierre-Nergy-Gossens. On finit troisième. C'est pas trop mal vu les déboires qu'on a eus. On n'est pas mécontent. On est représentant du team Fano Sport, n'est-ce pas ? Hein ? Sport. Et donc voilà, on a fait au mieux avec ce qu'on avait. C'est réputé de toute façon être un rallye très cassant. Ça c'est vrai. Les grands fonds, c'est toujours la surprise à la fin. Rien n'est jamais gagné aux grands fonds. Et voilà, la preuve en est, on finit troisième. Et on a su ménager la monture, comme on dirait, comme on pourrait dire. On a su pour sauver le meuble oui. En présentant le team Fan de Sport. Oui. Exactement. En terminant troisième. Bah, c'est comme tous les grands fonds, c'est un rallye cassant. On a joué de malchance au niveau mécanique. On a pu faire la première spéciale. D'entrée, on a commencé à avoir des soucis et puis au départ de la deuxième, la direction assistée nous a lâchés. Grâce à Yves Pinault et au Guad, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont pu tomber la DA, ressouder la poulie et droite surtout, de manière à ce que et puis trouver une courroie qui va dessus. Donc on a pu reprendre le rallye ce matin. Alors, ce matin, on a encore joué une malchance avec deux trois petits soucis encore supplémentaires. Mais voilà, on est à l'arrivée, on a pu
On a fini sur Selcourt, les deux derniers passages, on a pu les faire en s'amusant, parce que bon, même sur le premier, on avait un problème avec la porte qui ne se fermait plus. Mais voilà, on s'est fait plaisir, l'auto marche bien et on est en forme pour le prochain rallye. Ben, en fin de compte, non, mais ce qu'on a eu, c'est que bon, les spectateurs voient un passage, mais ils ne sont pas sur toute la spéciale. Donc en réalité, certains endroits ont passé très très bien, et puis il y a d'autres endroits où malheureusement on avait des petits soucis et ça ne passait pas. Donc on a fait quelques petites têtes à queue ou quelques petites sorties, et bien sûr le chrono tout de suite en prend un coup. Mais après, voilà, c'était une reprise en main de la voiture, reprise en main aussi sur les routes des grands fonds que j'avais oublié parce que j'ai pas couru l'année dernière. Donc c'est une bonne reprise en main. Là ça va, mes sensations sont revenues. Et puis on va attendre les prochaines courses pour pouvoir continuer à essayer de faire des temps et faire rouler cette voiture. Pas satisfait, non, puisqu'on a eu un souci dès le début, donc on n'a pas pu jouer dans les places qu'on aurait aimé, où on aurait aimé être. Donc avec ce souci, on a dû repartir en Super Rallye hier soir, mais par contre on ne peut pas être classé, donc voilà, aucun point au championnat, rien. Après, on s'est permis d'essayer des choses ce matin avec des pneus, des suspensions, on a essayé pas mal de petites choses. On a quand même signé 4 temps scratch, 2 temps sur la terre. Et voilà, où on nous disait qu'on n'allait pas être bon sur la terre par rapport aux 4 roues, et on fait 2 temps scratch sur la terre. Donc nous, on est super contents d'en être là et d'avoir fini quand même le rallye. Just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Nous, là, en tout cas, on va remercier l'ensemble des riverains concernés par la manifestation qui couvre différents territoires. Hein. Les Abîmes, le Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, entre guillemets.
Et on les remercie de leur compréhension. On a essayé de les informer au mieux. On a fait passer des communiqués de presse. On a fait une distribution d'informations aux riverains. On a essayé d'être plus proche, de répondre à différentes problématiques qui étaient posées par le fait qu'on fasse une manifestation qui ferme des routes. Donc on remercie les riverains. Et l'année prochaine, nous allons encore augmenter notre niveau d'information pour que les riverains soient encore mieux informés et qu'ils soient le moins gênés dans la manifestation sportive que nous organisons. Oui, alors ce rallye porte les couleurs de Pierre Mathurin, puisque c'est lui qui était le fondateur du rallye. Nous l'avons perdu en début d'année 2018 et nous souhaitions, à travers ce rallye, faire refaire vivre Pierre Mathurin à travers toutes les consignes qu'il nous avait inculquées et à travers toute la mémoire de tous les moments qu'on a partagés avec lui.